Les fidèles musulmans vont bientôt avoir accès aux mosquées pour accomplir leurs devoirs religieux, mais dans le strict respect des gestes barrières édictés par le gouvernement. Pour l'application stricte de ces mesures, la Fondation Baladi pour le développement au Tchad outille les imams ou les mâts des différentes mosquées et les bénévoles qui assurent la sécurité des fidèles de la capitale sur les méthodes de prévention de la pandémie à coronavirus. Des spécialistes en la matière leur dispenseront les règles d'hygiène à adopter pour éviter que la pandémie se propage. Le directeur de la Fondation Baladi pour le développement au Tchad, Dr Yahya Abdallah Bakar, affirme que son organisation est résolue à œuvrer aux côtés du Conseil supérieur des affaires islamiques pour protéger la santé des fidèles en cette période pandémique. C'est pourquoi, dit-il, cette formation a été initiée. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mahamat Khatrissa, a tenu à remercier la Fondation Baladi pour cette initiative qui, selon lui, concourt au bien être des fidèles musulmans. Cette personnalité religieuse a invité les participants à cette session de formation à suivre attentivement les enseignements qui leur seront dispensés afin de sensibiliser les fidèles.